Ok, on va regarder un petit peu maintenant nos personnes malades. Comment ça va se passer pour elles, hein, parce que cette fois, je vais plutôt prendre le Dixit que j'aime bien. Oups, ah, mon jeu qui explose. Qui explose. Il faut que je fasse attention à ce que je dise, parce que exploser en ce moment, c'est pas vraiment le bon mot. Hein, parce qu'effectivement, on a des explosions un peu partout, donc ce qui est pas bon. Hein. Donc, exploser peut-être pas. En tout cas, j'ai mon jeu qui veut partir. Alors, décidément. Bon, il veut pas me le dire ou quoi? Alors, les personnes malades, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, bon, encore une fois, c'est un tirage. Alors, prenez pas tout au pied de la lettre, s'il vous plaît. Hein. Sachant, en plus, qu'il y en a qui seront un peu malades, d'autres très malades et d'autres pas du tout. Hein. Ok? Bon. Donc, on va partir du principe que je parle des gens vraiment avec des gros, gros problèmes, on va dire, d'accord hein. Puis, vous savez que de toute façon, il y a eu de l'eau saline. Tout ça, je vous dis, il y a des gens qui s'en sortiront très bien. Hein. Bon. Alors, donc, les gens vraiment malades, on va dire, qu'est-ce qui va leur arriver? Voilà. On va voir si Dixit peut me donner une petite idée. Alors, il y en a qui ont la tête hors de l'eau, bah oui. Et il y en a... Alors là, c'est un peu les études... c'est un peu les études. Bon. Ok. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Ouais. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais. Bon. Pour la... Les cartes d'en dessous sont pas extra. Donc, je vais pas les considérer. Mais ils disent rien. Alors, j'ai la tête hors de l'eau. Et j'ai le temps. Bon. Donc, il y a une catégorie de personnes, on va dire, qui vont garder la tête hors de l'eau pendant un certain temps. Donc, ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y a des personnes, pour l'instant, malheureusement, on va dire que ça va, mais que ça peut s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui est dans ce cas de figure. Bon. Mais je voudrais voir, justement, à plus long terme, on va dire, les personnes qui vont vraiment, vraiment tomber malades à cause de cette saleté, qu'est-ce qui va leur arriver? Comment est-ce qu'ils vont être pris en charge? Enfin, voilà. Ok. Alors là, ah, je connais pas cette carte-là. Ah là là, faut que je la découvre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui salue. Alors, il y a une couronne et il y a un âne à côté. Alors là, je sais pas. Je la connais pas, cette carte-là. Il y en a qui, oui, qui vont prendre la fuite. Il y en a qui vont être emprisonnés. Il y en a qui vont être qui vont perdre leur travail. Eh ben, ça, oui, c'est facile à comprendre. Hein. S'ils tombent malades, c'est clair. Ah, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hein. Oh là 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 là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ça, c'est l'antéchrist. C'est pas l'antichrist, hein. L'antéchrist. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Je ne suis pas partie du tout sur ce thème-là, parce que je suis partie sur les personnes malades. Oui, alors l'antéchrist, justement, pour vous en parler, ce sera dans la catégorie nouvelle, nouvelle catégorie, il faut que je trouve le nom. Là, je vous en parlerai en long, en large, en travers. Et même en voyance, parce que ce sera une chaîne toujours de voyance. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Alors là, on peut y voir, si c'est l'antéchrist, ok, mais on peut y voir aussi éventuellement les gens sans scrupules qui se sont enrichis, voyez, et avec le sang d'autrui, en fait. Hein. Ouais, ok. Bien, bien, bien. Mais bon, moi, ça ne me dit pas ce qui va arriver aux personnes. Est-ce que c'est que cette carte-là? Alors, les personnes malades. Ouais. Je réfléchis, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'elles vont être prises en charge? Est-ce qu'on va pouvoir les aider? Parce que, bon... On va voir. Ah, c'est pas facile comme thème, hein. Alors là, il y en a qui s'en vont avec un fardeau. C'est minière, parce que c'est toujours cette carte de l'âne. L'âne, normalement, c'est un refus. Et c'est aussi... Je me demande si c'est pas le fait de ne pas voir ce qui est. Parce que j'ai quand même une couronne, mais j'ai un âne. Donc, ça me fait penser à... On reste un peu sur ses positions, quoi. Hmm. Par contre, on a quand même un fardeau à porter. Bon, ok. Donc, je dirais que parmi les malades, il y en a certainement qui ne voudront pas voir qu'elles ont couronné quelque chose, on va dire. Hein.
ou qu'elles ont honoré quelque chose qui finalement... Ah ouais, c'est marrant, je viens de comprendre. Ah, c'est sur une autre planète. Ok. Parce que je vois les étoiles. Donc là, c'est quelqu'un qui... Donc ils sont hors sol, voilà. Donc ce sont des gens qui vont rester hors sol et qui vont continuer finalement à croire en des choses. Ouais, c'est ça. Qui sont complètement stupides. Bon, ok. Un peu difficile cette carte-là. Hein. Il me faut un peu du temps parce que là, il y a une espèce de représentation absurde. Il n'y a personne. Bon, je verrai si j'ai d'autres idées par rapport à cette carte-là. Je vous dis, je la découvre, je ne la connaissais pas. Alors, ici... Ah tiens, on a le bonhomme sur la... Le skateboard, ouais. Ok, donc ça, c'est la question de vitesse. Et là, on a la question aussi de vitesse. Donc là, j'étais partie sur les personnes malades. Alors, c'est marrant parce que... Il y a déjà une chose que je peux vous dire, c'est que ces personnes malades... Alors, faites attention. Là, je vous le dis comme je le pense. Hein. Allez pas m'envoyer des commentaires pas sympas. Mais là, il y a des gens qui ont laissé ouvert la porte. Vous voyez, il y a une entité là. Donc, y a pas les, parmi les personnes malades, ils sont en danger. Puisque vous savez bien que le. Voilà. Ça peut laisser la porte ouverte à la possession. Hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ici. Alors là, c'est une question de rapidité. Ok, donc on va voir. Je ne sais pas trop pour l'instant ce que c'est. Ok, on va voir. En tout cas, il y a des gens en danger là. Bon, donc il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui sont en danger. Ici, du coup, je vais repartir ici. Il y en a qui vraiment qui sont aussi enchaînés. Il y a deux fois. Une fois ici et une fois là. Là, attention, ça peut vraiment montrer les problèmes de santé. Donc la roue tourne, mais pas dans le bon sens pour ces personnes-là. En fait, elles se sont elles-mêmes enchaînées. Là, ben, y en a qui vont perdre leur job, justement. Hein. Mais en même temps, ce sont des personnes qui vont retourner vers les choses plus naturelles, moi j'ai envie de dire. Donc il y a une catégorie des personnes, bon, vous savez desquelles on parle, qui vont vraiment avoir une... qui vont passer par des choses très difficiles, j'ai une prise de conscience, ah, peut-être pas, mais en tout cas, qui vont chercher des choses naturelles, parce que là, vraiment, encore une fois, j'ai retour à la nature éventuellement, avec des remèdes naturels. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient comme ça. Alors là... Ouais, bah c'est les ballots, voilà. Attention à ce que je dis. C'est les gens qui sont enrichis, sont pas très inquiétés, hein. Non. Vous voyez, là, il y a deux personnes, mais en fait, c'est un jeu. On se bagarre, mais il n'y a rien, quoi. Ils ne sont pas inquiétés. Hein. Pour l'instant, non. Ils ne sont pas inquiétés. Désolée, mais non. Bon, c'est une petite information comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont partir en guerre contre. Hein. Certainement, hein. Mais ils n'auront pas gain de cause. Hein. Non. Donc, on va se reconcentrer sur les personnes, on va dire, qui risquent d'être mal aller, puisque c'est surtout, en fait, là, au milieu. C'est souvent au milieu, d'ailleurs, important. Qui sont enchaînés, là. Mais vraiment... ouais. Et celle-là, qui... Quelque chose, comment dire, un fardeau à porter, mais qui sont, pour moi, toujours dans le déni. Bon, alors. Donc, il y a plusieurs catégories de malades, là, aussi, hein. On va regarder. La plus embêtante, c'est évidemment celle-ci. On est d'accord. Enfin, la celle-là aussi, pas mal. Hein. Alors, ici. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Hein. Eux, ils sont persuadés d'avoir fait le bon choix. Hein. Donc, ils sont dans le déni, ceux-là. Bah, alors, par contre, malades. Bah, je crois qu'en fait, ces gens-là sont dans le déni parce que ils sont, on va dire, pas très malades. Voilà. Ils ont un fardeau à porter, c'est vrai, mais ça peut être simplement la fatigue, puisqu'on voit que le cheval, je crois que c'est un cheval, il baisse la tête, il est fatigué. La personne sur le cheval, pareil, elle baisse la tête. Donc, c'est plutôt des gens qui sont super fatigués, mais qui ne font pas la jonction, ou plutôt la liaison, la relation, entre ce qu'ils ont pris et ce qui leur arrive. Et donc, lui, bah, il est content, hein, le mauvais, là, le malin, on va dire. Bah, il se dit, tiens, bah, les pauvres idiots, ils n'ont rien compris à ce qui leur arrive, mais moi, je sais. Donc, les pauvres gens,
ils sont dans le déni. Pour moi, c'est la carte du déni. Ils sont hors sol. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'âne. C'est le refus. Ils refusent de voir la réalité. Bon. Mais ils sont fatigués. Mais alors, ils sont fatigués, mais voilà quoi. Ça va pas plus loin pour l'instant. Cela. Ah, et alors, attention à ce que là, il y a les enfants. Il y a les enfants. Ok. Il y a la famille et les enfants. Bon, pour l'instant, je vois pas. On va regarder ce que c'est. Cela, ben, c'est un train. Donc ça, c'est par contre, il y a un truc rapide ici. On va vérifier un peu les catégories, là. Alors, les gens qui sont dans le déni. Là, je sais pas pourquoi j'ai les enfants, donc on va regarder tout de suite. Là, il y a des choses qui s'accélèrent. Donc, cette catégorie-là, elle est mal barrée aussi, j'ai envie de dire. Hein. Au niveau santé. Et ceux-là qui vont éventuellement... Bah, peut-être devoir ce, justement se... Alors, je vais dire se réorienter. Oui, mais non, parce que si se réoriente, si on parle par exemple des aides-soignants et tout, non, c'est pas ça. Non, c'est les gens qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont tombés malades et qui ont perdu leur travail. Oui, c'est plutôt ça. Ah, il y en a, hein. Il y en a, hein. Alors, on va continuer la première catégorie. Là, on demande conseil. Alors là, il y a un conseil que l'on demande. D'accord. On va regarder tout de suite ce que c'est pour bien rester sur la première catégorie. Alors, ils sont dans le déni, mais il y a un conseil qui est demandé. Ah, oui, d'accord. Donc ça, c'est en fait, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire, ok, ils sont dans le déni, mais ils vont pas l'être très longtemps parce que justement, ceux à qui on a demandé conseil, donc là, je parle au passé, donc certains organismes mondiaux, on va dire, eh ben, ça va faire un effet domino. Bon, donc là, est-ce qu'on va, rester sur le tas là. Hein. Là, est-ce qu'il pourrait y avoir une prise de conscience? Ah, parce que là, on va regarder. Oh, ils vont... Ouais, ils vont être mythiques, mes raisins, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'ils vont apprendre en disant que finalement, le truc marche pas, qu'il peut être même dangereux, qu'il peut y avoir des effets, enfin bref. Ils vont, vous voyez, le pérou lunaire, donc... ils vont mettre un masque, hein. Vous voyez, il y a un sourire, mais c'est un sourire, un faux sourire. Donc ils vont être quelque part un peu inquiets. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont se faire quelque part du souci, mais ils vont pas le dire franchement, hein, parce qu'il y a l'espèce de sourire, faux sourire. Ils vont être inquiets. Ils vont se dire, ouais, est-ce que j'ai bien fait finalement? Et ça va conduire encore à des disputes. Très certainement. C'est pas fini cette histoire de dispute. Hein. Ouais. Disons qu'il y en a certains, il va y avoir une prise de conscience. Ça va créer des disputes, effectivement. Vous voyez, en fait, il y en a. Je vous l'avais déjà sorti cette carte-là. Sur. Alors, il y en a combien qui portent un masque là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 personnes. Il y en a donc qui vont continuer à porter un peu leur sourire en se faisant toujours un peu du souci, mais ils vont rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tout va s'écrouler, parce qu'on va avoir des révélations, il y a certainement, si c'est, mettons un mari, une femme, ok, il y en a un des deux qui pique-pique et pas l'autre. Donc, il y en a un qui va dire à l'autre, tu vois, je te l'avais dit, tout s'écroule. Bon. Et donc, la personne qui s'est fait truc chouette, on va dire, il va pas dire qu'il est inquiet, il va être inquiet à l'intérieur de lui, mais à mon avis, il va mettre toujours une espèce de masque. Et donc l'autre personne, mettons hein, dans le couple, qui l'est pas, donc pic-pic, tu vois, je te l'avais bien dit, mais il va y avoir quelque part toujours le déni. Ah, ça va pas être évident, hein. Donc prise de conscience, bien sûr, une personne sur 8. Il y en a une qui va crier au secours, oui. Les autres vont continuer à porter le masque. Bon, j'espère que c'est clair, mes petites explications. Donc, c'est pas évident. Ça va pas être évident pour la prise de conscience. Un huitième, vous avez la proportion. Alors, ici, ceux-là, là. Les squelettes qui sortent de... Ouais, bah oui, c'est les enfants. Les squelettes qui sortent du placard, c'est les scandales par rapport aux enfants. Bon. Donc là, avec les histoires de skateboard... C'est marrant, ça me pensait effectivement à un skateboard, c'est les ados, hein. Alors, les parents qui ont éventuellement amené leurs ados, par exemple. Mais alors, attention au danger de la possession psychique... Ici, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il va y avoir les squelettes qui vont sortir du placard. Alors, enfant, ado. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas les questions de maladie, j'ai juste ça. Ça veut dire aussi que les enfants et les ados, ce sont des proies. Certainement,
plus facile pour ça. Ce qui est très embêtant, parce que là, on parle de la nouvelle génération. Hein. Mais qu'en même temps, il va y avoir des scandales qui vont sortir. Hein, j'ai les deux. Alors, est-ce que ça peut être aussi des histoires de possession? Je me demande, parce que le squelette qui sort de placard, c'est les scandales, c'est vrai. Mais est-ce que ça peut pas être aussi des choses de l'au-delà? Embêtant, embêtant ce que je suis en train de sortir, parce que moi, j'aime pas ça. Hein. Vous voyez ici le monstre? C'est pas bon, ça. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, la grâce. Ah, cette carte-là qui est toujours belle, qui est toujours compliquée à comprendre. Alors, on va regarder ce que c'est, là. Je sais pas. Et puis là, c'est quoi, là? C'est toujours le linge sale, hein. C'est marrant, je la sors aussi beaucoup ces temps-ci. Donc, il y en a qui vont essayer de nettoyer. Ah, voilà, c'est ça. Alors, le linge sale, oui, ou nettoyer. Donc, il y en a qui vont aller chercher certainement des remèdes naturels pour nettoyer. Bon, ok. Alors, la catégorie, la troisième, là, qu'est-ce que c'est que cette catégorie-là? On va regarder un peu. Donc, il est enchaîné et avec la roue de la fortune. Donc, eux, là, ils peuvent vraiment avoir des problèmes. Il y a une catégorie de personnes qui risquent d'avoir des problèmes, mais il y a la grâce. Donc, on va regarder ce que c'est. Alors là, il y a les questions de lumière. Me demandez pas, je sais pas. La lumière. Ah oui, d'accord. Si, la lumière sous le chapeau. Si, je l'ai. C'est la lumière sous le chapeau. C'est les gens qui vont comprendre. Bon, ben, il y en a quand même. Hein. Il y en a qui vont comprendre. C'est pour ça que j'ai la grâce. Ok. Ouais, il y en a aussi qui vont potasser. Hein. Alors, peut-être parce qu'ils vont tomber sur mes vidéos, allez savoir. Pas que, hein, non, je rigole. Mais il y en a qui vont se poser des questions, qui vont faire des petites recherches, là. Ouais. Ils vont comprendre ce qui se passe. Alors, ça, c'est les histoires de nourriture. Regardez. C'est aussi les histoires de restrictions. Ah, oui. D'accord. Ah, oui, d'accord. Ah, en fait, je suis en train de regarder que ces gens-là, c'est les gens, en fait, qui ont cédé pour, justement, aller au resto, voilà. C'est ces gens-là, en fait. Il y a une catégorie de personnes, ici, qui va avoir, on va dire, un éclaircissement de conscience. Hein. Et dedans, ben, il y a des gens, justement, qui ont accepté ce que vous savez. Justement, pour des questions, on va dire, de gourmandise, ou en tout cas de resto, hein. Et donc, qui voulait pas, en fait, qui voulait pas renoncer à ça. D'accord, ok. Bon, bah c'est juste, en fait, la catégorie de personnes, ok. Mais alors, pourquoi j'ai la grâce? Alors, elles vont comprendre, il va y avoir un éclaircissement de conscience, donc ça, c'est bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles vont revenir éventuellement à des choses spirituelles? Ouais. Ah, j'ai plus le truc, là. J'ai autre chose. Je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur autre chose. Toujours par rapport aux personnes malades. Non, je suis partie sur autre chose. Excusez-moi, là, le jeu, il est en train d'aller faire autre chose, là. Il est en train de me reparler de ce qui risque d'arriver. Je suis désolée, hein. Parfois ça arrive, ça interfère. Hein. Bah, je peux pas toujours être connectée à 100%. Hein. Voilà. Non, non, là, ça va me dire que, attention, je vous ai fait la vidéo sur Taïwan et la Chine. Ouais, ouais, d'accord. Ben, ça peut être ça. Hein. Bon, alors, ça arrive comme ça, donc on va les mettre à part. Bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus rien d'autre à dire sur ce sujet-là. Hein. Donc, il y a des gens ici qui vont être dans le déni. On a vu, hein. On ne va pas vous refaire tout le truc. Là, il y a des gens, en fait, les gens qui ont fait le pour aller au resto et tout, qui voulaient pas justement renoncer à leur liberté, hein, et en fait qui se sont finalement emprisonnées elles-mêmes, ce qu'elles n'avaient pas compris. Hein. Il y a des gens qui vont avoir un éclaircissement de conscience. C'est marrant, moi je pense à la grâce divine. C'est pour ça que j'ai pas d'autres cartes qui sort. Il y a des gens qui vont revenir, comment dirais-je, du côté qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher des moyens naturels pour se nettoyer, mais il y en a d'autres, ça va être un nettoyage intérieur spirituel.
Hein, parfois, c'est la carte de la grâce, là. Parce que, pourquoi la grâce? Bah, parce que j'ai des questions de lumière. Donc, il y en a qui vont vouloir se libérer de ça. Bon. Alors, au niveau des gens qui sont malades, malades, on va dire physiquement, mais vraiment graves. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore vraiment sortis. Alors, il y a une protection. Ah oui, il y a une malhonnêteté, il y a une protection. Ouais, alors il y a deux cartes, un peu contradictoires. Elles ont le choix, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont le choix. C'est-à-dire que si ils restent un petit peu scotchés à leur télé, on va dire, hein, ça c'est un peu l'abrutissement médiatique, on va dire. Bon. Ils vont rester dans cet état, quoi. Par contre, ils ont le choix, ils ont le libre arbitre. Hein. S'ils le veulent, même au niveau de la santé, ils peuvent agir. Mais pour moi, pour bien aller au niveau physique, il faut passer par la case, on va dire, illumination ou éclaircissement de conscience ou clairvoyance ou ce que vous voulez. Parce que là, c'est vraiment la lumière. Hein. Vous voyez, c'est le chapeau melon. Hein. C'est la lumière intérieure. Hein. Qui est d'ailleurs source de joie. Hein. Bon. Je vous en parlerai plus dans mon autre chaîne que je vais mettre en route. Ce que je veux dire par là. Pour moi, les gens malades ont le choix. Soit ils continuent finalement à croire ce qu'on leur dit, voilà, avec leur pop-corn. Ils regardent le poisson rouge, hein, enfin bref, l'abrutissement. Et finalement, ça va être ça. Alors ça, c'est le diable. Hein. Voyez? Le forfait. Le malhonnête, le méchant, le mauvais. Vous voyez en plus tout en noir avec les yeux ici un peu maléfiques, un peu comme des histoires de feu maléfique. Là, on voit deux billes. Je vous le rapprocher. C'est difficile à voir sur cette carte-là. Mais en fait, on voit des yeux maléfiques. Et donc, ils balancent de ce côté-là. En fait, ils sont entre les deux. Soit ils vont de ce côté-là. Avec les ailes. OK? Bon. Donc les gens malades. Eh ben, ça va dépendre de ça. Ils ont le choix. Ils ont vraiment le libre arbitre. Voilà. Bon. Donc, du coup, oui. Alors, j'avais fait déjà le premier tirage. J'avais dit qu'il y aurait certainement des dédommagements, des intérêts et tout. Est-ce que, en fait, ils vont être pris en charge? Justement, on va demander au Dixit. Ah, oui. Ben là, ça sort. Hein. C'est amusant. Hein. Là. Alors, oui, ça c'est vraiment amusant. Alors là, on est devant une corne d'abondance, on ne peut pas y accéder. Bon, ça veut dire que les questions d'indemnisation, ça va prendre du temps. Ouais. Donc, il y aura bien des histoires d'assurance d'indemnisation. Et là, alors là, c'est plutôt les questions de nature. Des choses qui poussent dans le sol. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça vient là. On va regarder. Je suis partie sur les histoires de prise en charge, moi. J'ai des trucs comme ça qui me sortent. Alors, débrouille-toi, m'a dit avec. Hein. Ok. Ouais, il y en a qui vont attendre. Hein. Donc, qui vont attendre après, effectivement, une prise en charge. Et là, c'est quoi? C'est toujours la lance maléfique. C'est fou. Hein. Alors, attendez, je réfléchisse. On a ici le bûcheron. Qui est en route. Ah oui, d'accord. Qui est en route pour. Ah oui, d'accord, attendez. Ah, mais elle est bien cette carte-là. Très, très bien. Hein. Alors, il y a des choses qui poussent dans le sol et en fait, c'est des choses vivantes, des arbres. Hein. Et là, il y a un bûcheron qui est en route pour abattre l'arbre. Oui, 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 oui. Donc, la prise en charge, oui, c'est ce que j'ai sorti aussi tout à l'heure, mais alors, ça va mettre du temps. Et il y en a certainement qui vont faire en sorte de bloquer les choses. Je vais remettre une carte là-dessus parce que celle-là, je sens qu'elle est importante. Elle va me dire quelque chose. C'est la destruction de la vie, hein. Ok. Ouais. Je me demande si cette carte-là, elle n'est pas justement pour les femmes. Parce que là, on a la vie qui grandit sous terre. On a une espèce d'enfant, là. Vous voyez? Et là, il y a quelqu'un qui vient abattre ça. Moi, ça fait penser au problème des femmes, là. Alors là, on a bien des choses qui se mettent en route. OK.
Ok, alors je me demande si c'est pas ça en fait. Attendez, on va vérifier ça. Ouais, ok. Ah, ben voilà, encore, hein. Écoutez, c'est ça, hein. Ouais. En fait, c'est les femmes. Les femmes, leur problème va être vraiment reconnu. Hein, le problème de fertilité, en fait, c'est ça, je viens de le comprendre. On le voit ici aussi. Ça va être reconnu qu'il y a eu tromperie. Et donc, effectivement, il y a satisfaction. Mais ça va vraiment être des femmes qui vont être courageuses, qui vont agir de façon individuelle, qui vont pas lâcher le morceau, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout les femmes, en fait. Parce que là, c'est vraiment, c'est clair que c'est ça. Bon. Donc, les femmes, elles vont vraiment être prises au sérieux. Bon. Les autres, j'ai envie de dire, c'est plus ça. Voilà, on attend la canne d'abondance, mais vous voyez, c'est gelé. Alors, c'est gelé, quoi. Pourquoi c'est gelé? Parce que c'est gelé dans le temps. Il va y avoir un problème qui va être reconnu, mais comment voulez-vous indemniser des milliards de personnes? Enfin, peut-être pas des milliards qui sont malades, j'exagère, mais enfin, bon, on va dire, allez, on en a combien qui l'ont? 60% de 8 milliards, non, ça fait 4 milliards, 4-5 milliards. Ah, quand même, hein. Sinon, mettons qu'il y ait, j'en sais rien, combien de pourcentage d'effet là-dedans? Pouh, difficile à dire, hein. Bah, ça va rester quand même de l'ordre de plusieurs centaines de millions. Comment voulez-vous indemniser des centaines de millions de personnes? C'est pas possible. Donc, ils vont prioriser, à mon avis, surtout les questions des femmes, notamment de la fertilité. Les autres, ils attendront. Donc, voilà. Donc, petit tirage. Oh là là, encore 48 minutes. Je suis désolée, c'est long. Je vais peut-être faire la vidéo en deux parties parce que c'est très très long. Toujours pareil. Mais bon, parfois, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Ça nous donne une petite idée de ce qui peut arriver sur les gens malades. Moi, ce qui m'embête, c'est ça. Et ça, c'est grave. Mais je vous en parlerai sur une autre chaîne, de façon plus en détail, que vous compreniez ce qui se passe. Et la façon de s'en sortir, encore une fois, ben, elle est tout en dessous, c'est celle-ci, quoi. La grâce, hein. Voilà. Bon. Ceux qui ont les mêmes convictions que moi me comprendront. Les autres, ben, je sais pas. Vous ferez comme vous voudrez, hein. En tout cas, ça m'empêche pas de vous souhaiter, ben, une bonne fin de week-end et à bientôt. Au revoir.